Oui, et l'année dernière, ils ont manqué une partie de la saison parce qu'ils étaient blessés. Et voici un autre couple qu'on a beaucoup de plaisir à revoir, parce que si vous nous avez suivis au championnat d'Europe de Sheffield, eh bien c'est là qu'on l'a découvert, ce couple, même s'il avait déjà participé auparavant à des championnats d'Europe, par sa progression a été surprenante et fulgurante. Sixième au championnat d'Europe de Sheffield, alors que l'année précédente, à Berne, il n'était que 14e. Et puis ça continue au niveau mondial. C'est du même acabit. Ils étaient 16e l'année dernière à Moscou. Et là, ils sont 12e avant ce programme libre. Les Britanniques Penny Coombs et Nicholas Buckland. Et évidemment, maintenant, il y a une place à prendre en Grande-Bretagne après la retraite des frères et sœurs Kerr. De bruit, mine de rien, bien ils sont en train de quand même marquer cette saison de leur passage, Penny Coombs et Nicholas Buckland. C'est un programme assez bien conçu parce que ça part très très fort au niveau énergie publique, ça tout le monde, et puis ça se finit tout en douceur dans une belle harmonie.
Il est bien conçu, mais il est moins bien patiné qu'à Sheffield, Pascal. Et c'est pas seulement l'absence du public anglais qui a rendu ce programme moins beau et moins bon. Il y a eu pas mal de problèmes techniques dans la pirouette combinée notamment, mais également lors d'un porté. Deux, trois petits problèmes, hein, deux, trois petits soucis. À mon avis, ils se sont laissés un petit peu prendre par la fougue du début du programme. Ça manquait de précision. Avec Evgeny Platov, lui aussi, beau palmarès et référence en danse sur glace. Il n'y a que des références, hein, quasiment au bord de la glace. Bah, figurez-vous que Evgeny Platov, il a quand même été champion olympique en 94 et en 98. C'est pas mal, hein. Qui dit mieux ? Alors, on retiendra du programme des Anglais qu'il y a énormément d'énergie, énormément d'intensité dans le programme, beaucoup de générosité, une très très bonne complicité, mais peuvent mieux faire alors au niveau de la précision et de la technique, peuvent mieux faire également au niveau du pas, et là on voit justement la grosse perte d'équilibre, des pertes d'équilibre qui sont sanctionnées au niveau de la deuxième note. Très difficile cette entrée de portée puisqu'il Niklas Bucklund n'a qu'un bras pour soulever Penny. Pas du tout facile de trouver l'équilibre et ensuite de terminer en patinage arrière sur une jambe. On se rend pas compte, hein, comme ça, puisque le but de la danse sur glace, c'est de donner l'impression que tout est facile. Cette portée est très périlleux. Le couple britannique est le dernier couple de ce groupe 2. Il en restera deux de groupe à suivre avec donc les patineurs classés parmi le top 10 de ces championnats du monde de Nice. Et avec du très très beau monde à venir, on en reparlera dans quelques minutes parce qu'après le couple britannique, on va refaire la glace ici à Nice au Palais des Expositions. Et ça me laisse le temps de vous signaler qu'il y a bien sûr notre site internet rtssport.ch. Vous pouvez évidemment y trouver toutes les informations relatives à cette compétition, tous les résultats, toutes les vidéos. Et puis également nous poser toutes vos questions à propos du patinage en général et de cette compétition de danse sur glace, bien évidemment, ce soir. Nous y répondrons dans la mesure de nos possibilités. Ça tarde un petit peu, hein. Visiblement, ils ont laissé quand même les juges un petit peu perplexes. En fait, Pascal, quand ça tarde, c'est qu'il y a un désir de révision, hein, de review. Les juges ont besoin de revoir des éléments afin de vraiment donner la note la plus exacte, la plus objective possible au niveau des éléments techniques. Alors un total de 74,96 avec un point de déduction. Elle n'a pas vraiment chuté là sur. Non. Alors souvent on danse sur glace quand il y a des points de déduction sans chute, c'est lorsqu'il y a des portées qui durent trop longtemps. Il y a toujours un chronomètre